Alors en Italie, on trouve des aires de camping-car gratuites avec l'électricité et l'eau gratuite. Bon, faut les trouver, hein, parce que là, on est vraiment en pleine montagne, dans un endroit un peu perdu avec un magnifique village que nous irons visiter plus tard. Bon, on va aller voir Patrick, voir ce qu'il nous a préparé de bon à midi. Ah ouais. On va se régaler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, on va vous partager une Italie authentique qu'on a choisi de parcourir. C'est-à-dire qu'en partant de Naples, on avait le choix de passer par la côte qui est très touristique ou sinon passer par la montagne pour rejoindre la Toscane. Et on ne regrette pas notre choix parce qu'on découvre des paysages époustouflants, des villages authentiques. Et puis les Italiens sont vraiment des gens extraordinaires. Allez, ben, bonne découverte de notre petit périple. On vous donne des bons plans aussi. On a quelques aires de camping-car gratuites avec de l'eau et de l'électricité gratuite. Et si vous ne connaissez pas Polar Step, tous nos spots sont sur cette application, ce qui vous permet de les retrouver facilement. Allez, bonne découverte de cette vidéo. C'est parti! Thank you.
Moi, je sais pas si à la caméra on verra comment c'est magnifique ce matin. Il y a une mer de nuages partout dans les vallées. C'est vraiment très beau. Allez, on va aller voir le café maintenant. Bon, alors ce matin je suis tout seul. Je suis parti de bonne heure. Et je me retrouve dans un nouveau village. On pourrait dire un village perché, il y en a plein ici. Et je vais découvrir ça. Je suis parti sur une rando, mais je sais pas trop où ça va me mener parce que en Italie les chemins ils sont pas vraiment balisés. Il y a des pancartes et tout, mais c'est un peu compliqué. Allez, je vais faire quelques images de ce village. Très très beau. Ces villages, on peut vraiment parler de villages perchés, quoi. Il y en a partout. Hier soir, on regardait les lumières, même tout en haut des montagnes où il y a des crêtes, il y a des villages. C'est vraiment magnifique. Mais alors, c'est difficile hein, parce que c'est des villages qui sont tout en escalier et rien que pour y accéder à pied, faut de l'engagement. Allez, je continue un petit peu la découverte de ce village et puis après, je vais essayer de voir si je peux arriver sur des endroits qu'on a sélectionnés hier, mais ça paraît compliqué. Allez, c'est parti, on continue. Pas si on voit bien la caméra, mais la crête qui est là-bas, il y a un village, juste en dessous il y a un village et tous ces villages sont habités. Mais quand je dis que tous ces villages sont habités, c'est pas à deux habitants quoi, il y a du monde qui vit dans ces villages. Il y a plusieurs, quand on arrive dans les villages, il y a des parkings, bon, il y a plein de voitures, mais la question que je me posais c'est de quoi ils vivent ces gens, où ils travaillent, parce que les routes pour accéder à ces villages c'est pas simple, c'est surtout très long quoi. Donc c'est une question que je me posais, mais ça fait plaisir de voir tous ces villages qui sont habités, alors qu'en France, y en a beaucoup sont abandonnés, quoi, notamment dans les Cévennes. Allez, je continue ma découverte. Eh bien voilà les amis, c'est dans ce magnifique petit jardin d'enfants que j'ai découvert par hasard que s'achève cette vidéo sur la découverte de la région du Latia ou Latium comme certains Italiens nous ont dit, qui doit être la région qui dépend de Rome je pense. Voilà, nous, pour nous c'était vraiment une belle découverte et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.